Salut, c'est Cascole et on se retrouve une nouvelle fois pour parler de jeux de société. Aujourd'hui, on est sur One Deck Dungeon, un jeu de Chris Sieslik de chez Asmodee Games. C'est édité par Nuts. C'est pour 1 à 2 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'une durée d'une trentaine de minutes. Alors moi, je trouve que 14 ans et plus, c'est beaucoup. On va le voir tout de suite, hein, de toute façon, mais en gros, c'est surtout un jeu de dés. On va devoir se constituer un pool de dés pour combattre des monstres. Voilà, donc le jeu en fait c'est un roguelike en jeu de société, un dungeon crawler. Et il est plutôt bien foutu, bien pensé. Il coûte à peu près 25 euros, mais c'est une toute petite boîte de jeu. Donc 25 euros, c'est en version physique, hein, évidemment, sur tabletop, on ne le paye pas. Lol. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, première chose, on peut peut-être déjà se choisir un personnage. Disons le paladin, on va servir du paladin comme exemple, plutôt de la paladine puisque tous les personnages sont féminins. Si on joue tout seul, on prend la version 1 joueur, si on joue à 2, on prend le verso et on a une version moins forte mais pour 2 joueurs. Voilà. Alors, le paladin a 3 de force, ça signifie qu'il lance 3 dés de force, il a 1 d'agi, donc il lance 1 dé d'agi et il a 3 de mana. Il possède aussi 5 points de vie, mais il a quand même une compétence de tankage, de tanking. Alors, pour chaque 2 cœurs perdus, alors quand ils disent 2 points de vie perdus, c'est quand on perd 2 points de vie sur la même case, on verra ça après. Que vous devez perdre, ignorez-en 1. Et alors, vous ne pouvez pas ignorer de blessure autrement. Donc j'imagine que si j'ai d'autres compétences d'ignorer pour ignorer des blessures, ça ne fonctionnera pas. Donc il faudra pas lui mettre. Il a une autre capacité spéciale, enfin c'est sa capacité héroïque, qui consiste à lancer n'importe quel nombre de dés stockés ici. Et je peux stocker un dé noir ici pour chaque fois que j'ouvre une porte de niveau 4 ou plus. Et je peux stocker jusqu'à 2 dés. Cette compétence ne fonctionne pas contre le boss, mais elle fonctionne en combat et dans les salles piégées. Vous comprendrez après. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a choisi un personnage, dans le cas où je joue tout seul, hein, voilà. Donc pareil, si je joue tout seul, au niveau de la montée de niveau, je prends la version 1 joueur. Si je joue à 2, je prends la version 2 joueur. Voilà. Ensuite, on va choisir un donjon. Donc ça représente un petit peu la structure du donjon. On voit que c'est un donjon à 3 étages. Ensuite, après le troisième étage, ce sera le boss. Dans ce cas-ci, le boss, c'est un dragon. On y reviendra après. La difficulté du donjon est indiquée ici. C'est ce petit carré-là. Qui représente donc un carré difficulté 1, 2 carrés difficulté 2, c'est pas compliqué. Voilà, donc on a la grotte du dragon, la caverne du yeti, le récif de l'hydre, le labyrinthe du minotaure et la tombe de la liche. On va jouer gentiment, on va commencer avec la grotte du dragon qu'on vient placer ici en dessous de la carte de la séquence de tours de façon à ne voir que le premier étage. Voilà. Alors, ces cases-là vont être à remplir pendant les combats. Ça représente un petit peu la difficulté du donjon. Dans une salle où on va devoir combattre un monstre, on va devoir lui faire 3 points de dégâts supplémentaires en plus de ce qu'on va devoir lui mettre sur sa propre carte. Dans le cas où c'est une salle avec un piège, on va devoir mettre un 2 ici de n'importe quoi, mais vous comprendrez après, en fait c'est pas n'importe quoi, ça dépendra du choix qu'on aura fait. Par contre c'est une icône avec un bouclier, je vais y revenir après, mais les icônes avec le bouclier sont des cases qu'on doit remplir en priorité, avant même de pouvoir remplir les autres cases. Ça veut dire que si je n'ai pas de 2 qui correspond que je puisse mettre ici, je ne peux pas mettre d'autres dés ailleurs, et donc je vais devoir subir toutes les conséquences. Subir les conséquences, ça signifie que si j'ai pas su mettre de 3 par exemple sur cette carte-ci, eh bien je vais perdre un point de vie. Ici la conséquence, c'est que si j'arrive pas à mettre de 2 ici, ben, je peux pas remplir les autres cases. Donc voilà. Et alors on va devoir aussi tout le long du donjon effectuer ce qui a marqué ici. Dans ce cas-ci par exemple, c'est au début du tour, on perd... C'est pas au début du tour, enfin si c'est... Dépenser 5 de temps supplémentaire lors de votre premier tour à chaque étage. Ici on est au premier étage. Donc je commence un nouveau tour, ça me coûte 2. Déjà, commencer un nouveau tour, c'est marqué ici. Ça me coûte 2 pour commencer un nouveau tour. Ensuite, ça me coûte 5, parce que c'est le premier tour à cet étage-ci. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, je vais mélanger un petit peu, voilà. Bon, j'aurais dû mélanger avant, mais j'ai oublié. Alors, il n'y a aucune porte visible pour l'instant. Donc l'action de ce tour, j'ai droit qu'à 2 actions. Donc soit j'explore, soit j'entre. Et ici, comme j'ai pas de porte, je suis obligé d'explorer. Donc mon action va être d'explorer, donc je fais apparaître 4 portes.
Voilà, c'est la fin de mon tour. Je décide donc de commencer un nouveau tour. Et d'ouvrir une porte. Alors avant toute chose, j'ai oublié de prendre une potion de mana, c'est marqué ici. Pendant la mise en place, j'ai droit à une potion de soin. Je dis mana, c'est soin. Voilà. Alors, ici j'ai ouvert une porte et je tombe contre un spectre. Bon déjà, le spectre, avant la rencontre, donc j'ai encore le choix de fuir, hein, mais si je décide de le combattre, il va me drainer. Donc avant la rencontre, convertissez un objet en XP. Ça veut dire que si j'avais un objet, ici c'est pas le cas puisque je suis en début de partie, je devrais le convertir en XP. Donc c'est peut-être le bon moment pour le combattre étant donné que je n'ai pas d'objet. Alors comment on le combat? Je vais lancer tous mes dés. Et on voit qu'il a quand même des cases avec des priorités. Comme je l'ai dit, pour les salles piégées, il fallait mettre un 2 ici puisqu'il y avait un bouclier. Ici, c'est pas le cas. On n'est pas obligé de remplir le 3, mais si je le fais pas, je vais perdre un point de vie. Par contre, je suis obligé de remplir cette case-là. Les grandes cases rectangulaires signifient que je mets autant de dés que je veux, donc de la couleur qui correspond évidemment, jusqu'à obtenir 9 ou plus. Ici, je dois mettre un 5 ou plus jaune. Et à partir du moment où j'ai rempli ces cases-là, je peux commencer à remplir les autres. Alors, est-ce que je tente le coup? Je sais qu'il va me falloir au moins 3 dés bleus et au moins 4 dés jaunes. J'ai même pas pris mon pool de dés. Donc moi, mon pool de dés, c'est 3 dés jaunes, 1 dés rose et 3 dés bleus. On a aussi une compétence, j'ai pas encore dit. On peut échanger 2 dés de couleur, donc imaginons que j'ai fait un lancer comme ça, voilà, un 2 et un 4, qui ne m'intéresse pas pour le combat. Je peux échanger ces 2 dés là contre un dé noir de la valeur la plus faible des deux. Donc ça veut dire que je pourrais prendre un dé noir mais de valeur 2. Voilà. Alors, est-ce que je décide de le combattre? Pourquoi pas? Il faut savoir que si je décide de le combattre, je vais le looter de toute façon. À moins qu'il ne me tue, je vais quand même le looter. Sauf si texte qui dit le contraire. Donc je tente le coup, de toute façon c'est pour l'exemple. Donc je prends tout mon pool de dés et je lance mes dés. Bon, déjà j'ai un lancer plutôt bof bof au niveau des dés de force. Mais je dois prendre mon 6 et je suis obligé de le mettre là, de toute façon, parce que avant de remplir les autres cases, je suis obligé de remplir toutes les cases avec le bouclier. Donc, je vais mettre la carte droite, voilà. Ensuite, il faut que je vienne mettre 9 ici en mana. Donc je fais 5, 6, 7, 8. Et je vais plutôt sacrifier. Non, ça va rien changer de toute façon. Non, bah tant pis. Voilà, là je suis à 11, on peut mettre les dés bien comme il faut si on a envie. Voilà, histoire d'être plus clair. Ouais, il a bougé, pas bon, c'était bon. Voilà. Donc malheureusement, il y a quand même 3 cases que je n'ai pas su remplir, plus encore cette case-là. Ce qui signifie que... on va les faire une par une, ce sera quand même plus simple. Dans ce cas-ci, je perds un point de vie. Hop, un point de vie. Dans ce cas-là, je perds 2 de temps. 1, 2. Dans ce cas-ci, je perds 2 points de vie. Sauf que moi, j'ai une compétence spéciale qui fait que quand je perds 2 points de vie, je n'en perds en réalité qu'un seul. Voilà. Et dans cette cas-ci, je perds encore 1 de temps et 1 point de vie. Autant dire que ça ne s'est pas trop bien passé. Mais bon, on va quand même looter la carte. Je récupère mes dés et je loot. À partir de là, j'ai 3 solutions. Soit je garde la carte pour son XP, donc elle a 3 points d'XP. Donc comme on l'avait vu avant, il faut 6 points d'XP pour pouvoir passer au niveau suivant. Soit je la garde pour son objet, qui est en fait un dé jaune. Donc dans ce cas-là, je viens prendre ma carte et je viens la mettre voilà, comme ça. Donc là on voit que j'ai droit à un dé supplémentaire, ou alors je garde la carte pour sa compétence, et dans ce cas on vient la mettre comme ça. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je sacrifie un dé d'agi, peu importe sa valeur, contre un dé d'agi de valeur 6. Par contre, ça ne fonctionne qu'en combat, c'est ça qui est peut-être un petit peu embêtant. Mais disons que c'est ce que je vais faire avec cette carte-ci. Voilà. Là j'ai une compétence, et quand on est niveau 1, on a droit qu'à 2 compétences. Donc c'est compétences en plus des compétences de base.
Voilà. Alors là, comme je ne suis plus dans une salle, que j'ai quand même perdu 3 points de vie sur 5, je me dis que ça pourrait peut-être être judicieux d'utiliser une potion. Donc la potion, quand on n'est pas en donjon, elle soigne de 3. Bah, je vais faire comme ça, on aura peut-être mieux. Oh, je zoome, voilà. De 3. Si on est dans une salle, elle soigne de 2. Donc voilà, j'utilise la potion maintenant et je me débarrasse de ces 3 points de dégâts. Ensuite, je commence un nouveau tour, donc je dépense 2. Et je décide d'ouvrir cette porte-ci. C'est un combat. Alors, qu'est-ce que ça dit? Déjà, dépenser un temps pour chaque compétence utilisée. Donc on a compris, chaque fois que je vais utiliser une compétence, je vais devoir dépenser un temps. Si je le gagne, si je le bats, enfin, même si je le bats pas, j'aurai le droit de la récupérer soit pour ses 3 points d'XP, soit pour ses objets. Dans ce cas-là, c'est un dé de force, donc un point de force plus un point de vie. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ici, c'est pas une compétence, c'est une potion. Donc si je le prends pour la potion, la carte va venir ici. Et on vient la mettre comme ça. Donc je vais gagner déjà une icône de potion et une nouvelle compétence de potion ici qui va être de changer 2 de vos dés non noirs en un D6. Voilà, donc c'est... c'est pas mal non plus. Alors j'aurais voulu simplement tomber sur une case de salle piégée pour voir un petit peu d'autres exemples. Mais donc dans ce cas-ci, je suis obligé de remplir cette case-ci avec au moins 10 en agi avant de pouvoir espérer remplir le reste. Ça veut dire que si je décide de combattre ce monstre maintenant, je pourrais pas remplir ce 10 en agi puisque de toute façon moi j'ai qu'un seul dé, donc le max que je peux faire c'est 6. Ce qui signifie que je vais subir un point de dégâts ici, un point de dégâts là, un là, un là et un là. Donc en gros je perdrais déjà 5 points de dégâts. Autant vous dire qu'on serait pas fort bien. Hein, ce serait un mauvais départ, je décide donc de fuir. Je dépense donc 2 de temps pour commencer un nouveau tour. Et j'explore cette carte-ci. Voilà, ça tombe bien. C'est une salle piégée, donc ici c'est une porte verrouillée. Et là on doit faire un choix. Soit on décide d'y aller en la crochetant. Dans ce cas-là, ça nous coûte d'office 1 de temps et on ne lancerait que des dés d'agi. Donc dans ce cas-là, je ne lancerai que ce dé-ci. Pour faire un 8, ça va quand même être dur. Surtout qu'il faut aussi mettre un 2 ici. Hein. Donc les salles piégées, il ne faut pas oublier, il faut rajouter encore le 2 là-bas. Soit je décide d'y aller en la défonçant. Donc dans ce cas-là, je lance les dés de force. Mais ça ne me coûte rien. On va le tenter par exemple. Je décide d'y aller en force. Donc j'ai le droit de lancer mes dés de force. Voilà, je lance mes dés de force. Bon, le lancer est quand même pas mal. Mais il faut que je garde... bon, ça va aller de toute façon, voilà. 6. Ah non, ça va pas aller. 10. Et alors, je préfère remplir cette case-là, puisque si je remplis pas celle-là en entier, je subis 2 points de vie plus 2 points de dégâts plus 2 de temps perdu. Alors que cette case-ci, je vais juste perdre 1 point de vie. Comme je peux pas la remplir, eh bien, je perds 1 point de vie. Voilà, donc je récupère mes dés et je loot la carte. Soit, encore une fois, pour son dé de mana, soit pour ses 2 points d'XP, ou soit pour sa compétence. Sauf que dans ce cas-ci... Ah si, j'ai encore droit à une compétence de plus, mais bon, je la trouve pas ouf. Enfin, il faut voir des cas. Je dois sacrifier 3 dés d'agi pour gagner un dé noir de valeur 6. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça fonctionne à la fois en combat et dans les salles piégées. Voilà, donc, imaginons que... je le prenne pour son XP, peut-être. Voilà, donc je viens mettre la carte comme ça, de façon à ce qu'on voit clairement où on en est au niveau de l'XP. Et on enchaîne comme ça les monstres jusqu'à arriver à ce moment-là. Alors, quand on en est là, on a le choix de descendre. Donc dans ce cas-là, on reprend toutes les cartes. Hop, hop. On remélange et on refait un nouvel étage. Et dans ce cas-là, on vient descendre la carte ici d'un étage. Et quand on va entrer dans une zone de combat, en plus du 3, on va aussi devoir remplir un 5 de mana. Et dans les zones avec le piège, en plus du 2, on va aussi devoir remplir cette case-ci. Ce qui fait que ça va augmenter la difficulté des monstres de cet étage. Et ainsi de suite, quand on sera au 3e étage, ça va être encore plus dur. A savoir qu'une fois que cette carte apparaît, pour chaque temps perdu, mais ça c'est marqué sur la carte de toute façon, et le manuel de toute façon
Si vous avez un petit souci, le manuel est ici sur la tablette à côté. Le jeu n'est pas encore disponible sur le workshop au moment où je fais la vidéo, mais je vais le rajouter juste après, donc il devrait y être. Je le rajouterai sur le workshop. Donc pour chaque temps dépensé, une fois que cette case est découverte, on vient déposer un cœur dessus. Alors j'ai mis les deux cartes côte à côte pour un, deux joueurs ou pour plus. Alors pour jouer à quatre joueurs, il faut une deuxième boîte de base ou l'extension. Voilà, donc on vient déposer à chaque fois un cœur dessus pour chaque temps perdu. Et dès qu'on est à 3, on subit un point de dégâts. Voilà. Mais voilà. Oui, par exemple, imaginons que j'ai des salles. J'ai décidé de fuir, donc j'ai deux salles qui sont ouvertes. Et je décide d'explorer. Je peux explorer, donc ça va me coûter la même chose. Hein, donc deux temps pour commencer un nouveau tour. Hop, hop. Et j'explore ces salles-ci, je fais apparaître ces deux salles. Et donc les salles qu'on a laissées ouvertes, qu'on a décidé de fuir, vont rester ouvertes. Et ça tombe bien qu'on tombe sur cette carte-ci. Par exemple, lui, nuée X égale 4 par porte ouverte, y compris celle-ci. Ça veut dire que si on a tendance à fuir et qu'on tombe sur lui, eh bien dans ce cas-ci, par exemple, on a 4 portes ouvertes. Donc il faudrait mettre 16 en force juste sur cette case-là avant de pouvoir remplir les autres. Attention quand même, la fuite, c'est pas toujours une bonne idée. Voilà, alors on va parler un petit peu du combat contre, contre le boss, contre le dragon, comment ça fonctionne. C'est la même chose que pour les autres monstres, sauf que il est quand même balèze. Il faut lui mettre, par exemple dans ce cas-ci, à lui, hein, il faut lui mettre un dé de 5 en agie ou plus ici, un deuxième ici, avant de pouvoir espérer remplir les autres cases. Ça veut dire que dans notre lancer de dés, si on n'a pas des gros dés en agie, on subit tout le reste. Donc si on n'est pas capable de remplir ces deux cases là, on se prend 4 ici, 4 là, ça fait 8, 9, 10, 11, on se prend 11 points de dégâts, on est mort one shot, il n'y a plus à discuter. Alors, pour remplir, c'est marqué en dessous, hein, mais pour remplir les cases avec une tête de mort, il faut d'abord remplir les cases à gauche. Donc, une fois que j'ai mis mes 17 en force ici, je peux mettre un D6 là. Une fois que j'ai rempli mes 16 en mana, je peux mettre un D6 ici. Si je n'y arrive pas, je subis, comme pour tout le temps, comme pour tous les autres monstres, la case. Par contre, si j'y arrive, lui se prend un point de dégâts. Une fois qu'on l'a touché 6 fois, il est mort. Alors là, on se dit, oui, mais il faut faire quand même beaucoup de 6, c'est abusé. Pas de panique, hein. Quand on arrive à ce niveau-là, on va avoir tout un tas de compétences, comme celle-ci par exemple, hein, ça tombait bien, qui nous permet d'échanger un dé en un autre dé d'une valeur 6. Il y a d'autres compétences qui vont nous permettre de rajouter, plus 1 sur un dé, ou ce genre de truc. Si on fait les bons choix en termes en termes de compétences, plus on avance dans le donjon, moins la chance au dé va influer. On pourra presque faire en sorte que tous nos dés fassent 6. Quoi. Ou avoir un gros stock de dés noirs à lancer, remplacer tel ou tel dé par d'autres dés. Et donc plus on avance et moins la chance au dé va compter. Ce qui fait que le dragon est parfaitement battable. Bon, évidemment, si je devrais le combattre avec mon niveau actuel, j'y arriverais pas. Hein. On peut tenter le coup juste comme ça pour le fun, voir ce qui se passerait. Mais c'est même pas la peine, puisque de toute façon, je ne lance qu'un seul dé d'agir. Donc, juste pour le fun, allez, je le fais. Ah, il manque un dé. On va faire un lancer ici, comme ça, pour éviter de les éparpiller. Voilà, donc, le 5 en agir, ça passe. Voilà. Maintenant, il faut que je me trouve un autre 5 en agir. Alors, l'inconvénient, c'est que comme j'ai pas d'autres 5 avec, parce que je pourrais par exemple échanger ce dé là avec ce dé là pour prendre un dé noir, malheureusement le dé noir prend la valeur du dé le plus petit. Donc je pourrais prendre un dé noir de valeur 4. Donc je ne peux pas remplir les autres cases, et donc dans ce cas-ci, je suis mort. Imaginons que j'ai l'occasion de lancer un dé noir. Voilà, j'ai fait un 6, magnifique. Je peux le mettre ici, et à partir de maintenant, je peux commencer à remplir les autres cases. Donc, disons 4. Je vais le mettre droit. 6.
Non, c'était un 2. C'était un 2. Voilà. 2. Ça fait 9. C'est pas assez. 4. 10. 11. C'est pas assez. Donc de toute façon, je me ferai one shot. Mais évidemment, quand on arrive à ce monstre, on est niveau 2 ou 3. Et on a... Donc imaginons que je sois niveau 3. On va regarder un petit peu. Niveau 3, on a quand même droit à 5 objets, à 4 compétences. Je peux vous assurer qu'on n'a plus du tout le même niveau. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu tout dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !